offrande dans l'église. Et si vous même vous avez construit un bâtiment, une assemblée, avec quoi vous avez construit? L'argent, roche ou l'argent? Parce que numéro 1, si vous avez besoin de terrain qui a coûté 80 000 euros, et là, si vous avez besoin de construire un bâtiment qui a coûté plus que 100 000 euros, et si vous n'avez pas de moyens, parce que bon Dieu fait nous l'homme, faut nous prendre une décision pour nous. Faut bon moyen, faut que l'église là lui-même, faut moun cotiser pour accomplir, pour faire un bel bagay. Comme dans tant longtemps, là, nous te connons, ouais, moun te connons pour un, pas un courrier, ou pour un des types, voir, ou couvrir, moun rete. Mais nous, non, tant modèle à présent, tout moun besoin de côté, ou pour moun représentable. Maintenant, monde là, mais c'est pas chrétien, qui pas ta besoin un bel bâtiment pour aussi, pour réunir, et puis tout pour annoncer parole, bon Dieu. Et pas que tout l'argent, on lui déramasse, il mette le dans la banque, c'est un problème. Des gens, ça, c'est le fond corrigé. Des gens qui avisent qui entrent dans l'évangile là, qui ont fait business, mais c'est pas tout le monde qui a mis dans la même chose. Et même les gens qui ont un gâteau comme un serviteur qui a travaillé pour bon Dieu, mais depuis longtemps, tu es vrai, tu es faux. Mais on ne peut pas mettre tout pasteur, tout leader dans le même panier. Parce que mettre là qui met jardin, malgré qu'il a fait tout ça, il ne peut pas toucher. Est-ce que le leader est capable de toucher? Maintenant, nous répondons là. D'accord, pas de problème. Et ce qui nous répond, nous, déjà, alors on a demandé à Mounio pour corriger pour nous, pour nous répondre avec question ça très bien, avec un peu de compréhension pour tout le monde capable de comprendre. Déjà, ce qui nous répond, Jésus-Christ n'a pas envoyé personne à l'acheter un terrain 80 000 euros pour construire un bâtiment qui aurait l'église. Jésus-Christ m'a dit tout le monde a construit tête qui est l'église. Je me construis moi-même parce que je suis l'église de Christ. Pas un bâtiment. Alors le Seigneur Jésus-Christ n'a pas demandé aux leaders d'acheter un terrain de 82 000 euros pour construire un bâtiment, peut-être qui coûtera 80 000 euros ou bien 50 000 euros. Alors, écoutez bien. Quand Jésus-Christ dit dans Luc 12, 32, « Petit troupeau, ne crains point, car le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Et il continue, il dit, « Vendez ce que vous possédez. » Donnez-les en aumône et afin que vous ayez une bourse qui ne s'use pas. Où ça? Sur la terre, dans les cieux. Cela veut dire que si quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu va acheter un terrain et 80 000 euros, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Pour construire un bâtiment de 80 000 euros, encore ça fait 160 000 euros, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Voilà, vous parlez de ravisseur, c'est un ravisseur. Parce que le peuple de Dieu n'a pas besoin d'un bâtiment. Le petit troupeau de Christ n'a pas besoin d'un bâtiment, d'une belle construction, comme Jésus qui disait, les disciples disaient à Jésus-Christ, regardez le temple, ah mais c'est bien construit, hein? Jésus-Christ a répondu, il n'y aura pas pierre sur pierre, qui ne sera pas détruite. Mon frère, je voulais dire ça avec tout amour que j'ai pour vous. Si vous avez 80 000 euros, vous comptez ça pour favel? Baili en aumône. Aidez ceux qui ne sont pas capables, veuves qui ne sont pas capables, baili. Et puis, si vous avez un bout de chambre, vous comptez, réunis. Dans la chambre, là, dans le rang ou bien on vient en maison louée, réunis là-dedans. Mais Christ n'a pas voyé à l'acheter ton terrain 80 000 euros pour construire. Je ne dis pas que je suis terrain, non, je suis dans mon terrain, monter, faire un caillou sous lit, ou construire un caillou. Et pour dire, dans le caillou, ça m'a construit, je m'a préservé une salle pour réunir en fait. Parce que Jésus-Christ n'a pas un grand troupeau, c'est un petit troupeau. Et ce troupeau n'est pas un troupeau rempli de personnes, mais c'est quelques personnes. C'est pourquoi il dit petit troupeau. Alors, le petit troupeau n'a pas besoin d'un bâtiment, d'un grand bâtiment.
des belles constructions. Alors, si nous regardons la vie de Paul, hein? Alors, laisse-moi regarder ce verset avec vous avant que je revienne sur le chapitre 2 Timothée. Je vais regarder ça avec vous vite fait pour voir est-ce que ces gens étaient intéressés par ces grands bâtiments comme les gens d'aujourd'hui qui sont complètement cupides et qui s'attachent aux choses de la terre. Et c'était quoi? Alors, regardez avec moi, frère. 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 4, le verset 9. 1 Corinthiens 4, le verset 9 a continué. Regardez bien et écoutez. Lisez avec moi, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 4. On va voir est-ce que les apôtres étaient des cupides. Est-ce qu'ils voulaient construire des bâtiments, acheter des terrains pour construire. Le verset 9. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, le dernier des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim. Nous souffrons la faim. Oh, pourquoi tu vas souffrir la faim pour aller construire ton bâtiment, non? Pourquoi ça? Hein? On va souffrir la faim et on va prendre l'argent pour construire un bâtiment de 50 000 euros? Non, nous souffrons la faim, la soif. Hein? Les hommes authentiques, les chrétiens authentiques, voilà leur vie. La faim, la soif, la nudité, ils n'avaient même pas de vêtements, même pas de quoi manger, de quoi s'habiller, les hommes de Dieu, le petit troupeau. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit dans Matthieu 6, ne vous inquiétez pas, ne faites pas comme les autres, parce que je sais que vous avez besoin, et c'est moi qui vais vous donner ce que vous avez besoin. Hein? Voilà pourquoi les gens d'aujourd'hui ne cherchent pas le royaume et sa justice, ils cherchent les choses. Mais Jésus-Christ ne vous a pas demandé de chercher les autres choses. Les autres choses viennent par lui. Mais vous ne devez pas chercher les autres choses. Alors vous cherchez le royaume, vous cherchez la justice. Attendez. Mais vous ne cherchez même pas le royaume, même pas la justice. Vous sautez dessus et vous tombez dans les autres choses. Et vous dites que vous avez le Seigneur. Vous n'avez pas de justice, pas de royaume, pas de salut. C'est clair. Alors ici là, nous sommes maltraités, errants, ça et là. Bon, lorsqu'on son bâtiment... Où est l'église? Bon, et les personnes qui sont tombées, on va faire, on va racheter bâtiment pour courir avec. On pensait si vraiment ça a tombé bâtiment, on va être là dans le pour tout temps. Comme on pas prêcher l'évangile. Si on pas prêcher l'évangile, normal pour me faire construire un bâtiment, moi je me prends plaisir comme si c'était l'église catholique romaine qui me postait. Mais si je prêche l'évangile, oh, les gens qui prêchent l'évangile, comme Jésus qui dit, si on vous cherche dans une ville, fuyez dans une autre. Cela veut dire que les chrétiens n'auront pas une place, un lieu spécial. Ils seront ça et là. Mais ceci sont des chrétiens qui disent la vérité. Parce que quand on ne dit pas la vérité, on ne vous persécute pas. Parce que vous faites ce que le diable demande. Comment on va persécuter un pasteur qui ne dit pas la vérité, qui ne prêche pas la vérité? Ils sont complètement confortables dans leur vie parfumée. Hein? On ne peut pas le voir comme ça. Et tout va bien, leur salaire, hein? Ça marche bien. On peut persécuter une telle personne? Hein? Nous, on ne peut pas persécuter une telle personne. On va continuer, le verset 12. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus les balayeurs du monde. Est-ce que les gens qui sont des balayeurs du monde peuvent avoir ces gens de moyens pour construire des gros bâtiments, pour voir des... comme la mosquée qu'on va construire en Espagne, hein? La plus grande mosquée de l'Europe, les musulmans vont construire que le Qatar va financer. Ah, c'est pas étonnant, comme les catholiques, comme les musulmans, hein? Les protestants, c'est normal, vous construisez des immeubles. Jésus-Christ dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera pas détruite. Alors si vous voulez bien construire, mon frère, si un pasteur ou un leader veut construire, construis la vie des fidèles. Construis la vie des fidèles. Préparez leurs âmes pour le salut. Vous savez avec quel matériau vous construisez les âmes des fidèles? La parole, la vérité, la sainteté, l'honnêteté, l'amour. Vous construisez ainsi et vous aurez la vie éternelle.
Mais si vous pensez construire l'église de Jésus-Christ en achetant des sacs de ciment, hein, des fer, des bois, des choses comme ça, vous dites que vous construisez l'église. Non, vous ne construisez pas l'église, vous construisez un bâtiment. Hein, vous perdez vos temps. Alors si vous le construisez bien, vous construisez, eh bien, expliquez la visuelle, dites-leur la vérité, que la dîme n'existe plus. Hein, les femmes ne doivent pas enseigner, dites-leur ça. C'est ce qu'il faut faire. Que le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ, c'est pas au nom du Père, la formule trinitaire de la catholique romaine. Hein? C'est ce qu'il faut enseigner. Dites-leur la vérité. On ne présente pas un enfant au Seigneur, au temple. Ça n'existait plus. Il faut leur parler. Il faut voiler la tête. C'est ce qu'il faut dire. Il faut jeter les bibelots, les petits chameaux, les petits chiens, les petites colombes que vous avez chez vous. Des tableaux, des images de représentation complètement idolâtres. Jetez-les à la poubelle parce que le Seigneur n'est pas un Dieu idolâtre. Voilà ce qu'il faut enseigner. Mais ce n'est pas construire un bâtiment, dépenser 80 000 euros. Alors imagine, on va le construire un bâtiment 80 000 euros et puis on sait qui pas même capé Kaeli. Vous êtes hypocrite. Hein? Vous allez construire un bâtiment 80 000 euros. Et il y a une soeur qui ne peut même pas payer, qui ne peut même pas payer sa maison. Elle ne peut même pas manger. Hein? Ou vous regardez une sœur qui fait partie d'une assemblée et elle est en train de demander la charité. Or David dit, depuis que je suis né, dès mon enfance, dès ma jeunesse, je n'ai jamais vu un serviteur de Dieu qui demande son pain dans la rue. Or moi je l'ai vu. Et ce sont des personnes qui sont dans des églises. Que ces églises ont une banque qu'on appelle la banque du Saint-Esprit qui ont beaucoup d'argent. Et ces gens-là ne peuvent même pas s'occuper de ce genre de personnes. Et tout à l'heure je disais, s'il y avait une fille qui vient d'Haïti, elle était vierge, en arrivant à Saint-Martin, elle veut garder sa virginité, non? En étant à l'église, elle sait bien que la Bible a dit qu'il ne faut pas faire le sexe, il ne faut pas entrer dans ce genre de relation avant le mariage. Hein? Elle va vouloir appliquer la parole. Mais, est-ce que l'église n'a pas un rôle à jouer dans sa vie? Hein? La soutenir, l'aider à manger, l'aider à payer sa maison, l'aider à s'habiller. Mais est-ce que vous le faites? Vous ne le faites pas. Et elle est obligée de se livrer à un empire, hein, pour faire des choses qu'elle sait bien qui n'est pas bien, que l'évangile ne veut pas, mais elle n'a pas le choix. Moi, je ne peux pas la critiquer. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas le choix. Elle doit manger. Peut-être qu'elle n'a pas assez de foi pour garder la foi, pour ne pas se laisser aller. Mais quand même, elle s'est laissée aller. Parce qu'il n'y a pas de diacres qui prennent leurs responsabilités en partageant, en voyant, en ayant des yeux spirituels qui peuvent détecter des gens qui sont dans le besoin pour venir à leur aide. Parce que l'argent, les collectes sont destinées aux saints. C'est leur argent. On doit leur aider. Alors, vous faites quoi? 100% évangélique. Dieu vous bénisse. Oui, c'est tout moi, même pour Patrick. Ok. N'attendons. Abaissez un peu le récepteur là. Ouais, mais pour le côté là, toujours là, on a le bon dieu. Ok. Abaissez un peu. Bon, ok. Alors, mon père dit que je ne critique pas, je dénonce. Dénonce ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas correct. 100% évangélique. Allô? Oui, ça va. Oui, m'attendez. Eh. Alors là, je crois que le téléphone n'est pas tellement bien adapté par rapport à ça. Alors surtout, comme nous tenons 2 Timothée 3, nous retournons. Dans 2 Timothée 3 là. 2 Timothée 3 là, nous retournons. Nous te disons que les hommes sont égoïstes. Pourquoi? Parce que vous gardez pour tête, je vois assez, vous pas gardez pour l'autre monde, soi-disant l'église, 100% évangélique. Dieu vous bénisse, allô? Oui, allô? Oui, bon Dieu béni. Oui, bon Dieu béni. Oui, sur moi, nous oui. Écoutons. Oui, allô, Frère Patrick, moi, depuis l'émission a commencé, moi, j'attendais tout ça, on a dit, tout c'est bien, mais il y a un bagage qui tire attention, moi. Oui. Aujourd'hui, que y a un monde qui doit bâtir en l'église pour adorer bon Dieu. Mais si un monde s'est levé pour aller à l'église, vous mettez linge en l'air ou du pour aller à l'église. Mais qui côté ou qu'à aller et laisser nous rassembler pour aller, mais c'est l'argent pour qu'à dépenser et puis
pour bâtir un temple pour adorer bon Dieu. En plus, oui, c'est vrai. L'argent, c'est une autre affaire, c'est vrai. Parce que il y a beaucoup maintenant assemblé qui fait compétition, c'est vrai. Ramasser beaucoup, beaucoup, beaucoup l'argent. Mettez sous canette. Ou sans couper parole, l'argent a ramassé sous un stade là pour construire bâtiment pour faire croisade chaque année. L'argent, ça m'a contre ça au favel. Comme il fait discussion, on va contre côté le passé. Personne n'a pas commandé côté le passé. Mais on a ramassé l'argent pour construire un gros tabernacle pour réunir, pour faire croisade chaque année. Oui, c'était ça vraiment, mais en plus, il y a l'église aussi qui ramasse l'argent, c'est vrai, pour acheter des... Il y a toujours un tabernacle qui a construit, il y a toujours un projet. Oh. Oui, le tabernacle n'a pas jamais construit jusqu'à maintenant. Non. Là, nous n'avons pas un tabernacle là. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas l'argent, nous n'avons pas un tabernacle là. Bon, nous, et s'il reste là, nous n'avons pas attendu. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas l'argent. Jésus-Christ a retourné le tabernacle là, pas construit, personne ne peut pas sauver. Mais c'est le tabernacle là qui est chrétien. Mais ça, c'est vraiment bien. Côté que vous parlez, ça, c'est bien vérité. Mais quel côté que moi, tant nous avons parlé, depuis Haïti, moi, ce n'est pas ici qui montre moi, et l'évangile depuis Haïti que moi sorti. Yo même l'église Haïti, mais en même temps, depuis Haïti, moi attendez, il faut payer la dîme, il faut payer les offrandes, il faut bâtir temple pour le Seigneur. Il faut que nous ayons temple pour nous adorer, parce que nous pas adorer dans le soleil, dans la pluie. Si que la pluie a tombé, nous pas courir. Il faut nous ayons temple quand même. Mais c'est celle ça qui papa moi un bon attirance, mais l'autre bitéo a fait l'argent, ça fait un bagaille qui vrai réel. C'est comme si là on prend l'argent, on pas qu'à comprendre mon n'a gagne tant à de l'argent, on pas qu'à c'est ça relé la cupidité. Ouais, on pas capable de faire ça que on voulait. Ça yo gagne projet pour yo faire, il pas qu'à attendre pour projet à réaliser. C'est tout ça seulement qui bon moi problème. Mais pour l'église là, moi, ouais, ça c'est bien pour l'église bâtie pour chaque chrétien qui a une place pour y chita, pour y adorer bon Dieu, parce que à faire bon Dieu, c'est un bagage qui c'est qui propre. Écoutez bien, moi, je dis un bagage. Ouais. Ou dis-moi, faut que l'église bâtie. Ouais. Déjà ça, à travers la Bible, pour écouter au bâton l'église. Parce que déjà, qui ça qui l'église? L'église là, c'est quoi? C'est les frères et sœurs qui sont l'église. Ou ka construit yon kay, yon maison, ou pa ka construit yon l'église. Mes amis, parlez selon chrétien, parlez comme moun ki gen connaissance. So, quand vous dites vous voulez construire une église, mais vous ne pouvez pas construire une église. Vous avez construit un tabernacle, mais ça n'existait plus, tabernacle. Alors, c'est la raison, puisque c'est un tabernacle, c'est pourquoi il y a un lieu saint, lieu très saint. Hein? Les grands paletots sont en haut et les autres sont en bas. Comme catholique même. Ça veut dire que c'est pour bagay qui pas gè sens li hein. On va le montrer yon bagay qui ça fait ça comme ça. Par exemple, catholique maintenant, yo construit bâtiment yo parce que konn y a prêté là pour tout temps, 100% évangélique. Bon Dieu bénisse vous. Bon Dieu bénisse. On pensait que dans ça que vous avez dit tout à l'heure, l'État, forcément, vous dit l'Église, l'État vous dit que, enfin, vous pensez, hein, que l'État vous dit que, faut que tu aies un chrétien, tu aies un temple, un assemblée pour que tu prier, bon Dieu. Mais sauf que ça, je pense que les parfums comprennent, c'est que là, seulement là, dans ce matin, il y a au moins 40 églises différentes, 40 temples différents. Il y a plus que 40, oui. Tout le monde a essayé. Quartier d'Orléans seulement, il n'y a pas de 27 ou 28, m'kwe. Tout le monde a essayé de chercher bon Dieu par eux. Tout le monde a une doctrine différente. Tout le monde a prêché l'évangile différente. Donc, ça vient de faire que pièce moun pap ka jwenn tout moun mete tête ensemble pour faire un seul tabernacle. Parce que dans tant longtemps, ils ont démontré que dans le monde, tout le monde qui a même la foi. Yo aller dans un seul tabernacle et puis yo la prière son seule doctrine, mais là yo au moins dans les églises de Dieu, yo au moins 20 églises de Dieu ce matin. Pendant ce temps c'est l'église de Dieu. Bon, déjà bon problème. C'est que l'idée voulait dire tabernacle, mais sauf que toujours pas gain sens parce que comme tout le monde fait l'église par eux, fait assemblée par eux,
Donc, ça veut dire que personne n'a pas de côté pour bailler tout parce que tout le monde a fort, on est, c'est qui vivent. Voilà. D'accord. Sauf que, témoin de Jéhovah et catholique, bien sûr, que je vous donne un pile respect pour eux, ou pas besoin de 15 témoins de Jéhovah, parce que si vous avez 3 témoins de Jéhovah, c'est parce que c'est 3 langues différentes. Vous avez besoin d'une assemblée française, d'une assemblée créole, d'une assemblée espagnole et d'une assemblée anglaise. C'est-à-dire que tout le monde net qui parle créole pour aller dans l'assemblée, ça, ou te mettre bien nation, il y a des créoles, là, comprendre. Catholique, là, c'est pareil. Ou bien, je vois, bon, pas mal là, dans le cap, non, c'est Martin aussi, comme bien deux, l'église catholique, là, qu'on y a, mais il y a une partie hollandaise. Donc, ça partie hollandaise, là, tout le monde connaît que c'est plus monde, deux parties hollandaises, mais tout le monde connaît que c'est plus monde qui parle créole, et l'autre, là, c'est anglais. Donc, nous, toujours pas de problème à ça. Mais ça, mon problème, là, c'est parce qu'on joue 20 pasteurs différents, qui disent que c'est l'église de Dieu, et puis, on joue tout, non, chaque lagon, l'église différente, pour qu'ils savent mettre tête ensemble, pour bâtir un seul tabernacle, et puis pour tout le monde, et puis chaque bien boss, oui, s'il vous plaît, chaque l'église bien boss, oui. Donc ça veut dire que si chaque l'église bien boss, je vais bâtir un seul tabernacle, et puis tout le monde, allant l'église, tout le monde qui partage la même foi. Mais comme vous connaissez que son bagage personnel est abrégé, non, chaque monde fait l'église pas, vous pouvez gérer comme vous êtes capable. Alors, bon bagage qui m'a dit. Bye bye. Ok, bye bye. Bon bagage m'a dit par rapport avec ce que je parlais là. Construire un tabernacle. Christ pas bay personne droit au monde des personnes construire tabernacle pour yo ni construire l'église tout genre mon dit là parce que peuple bon Dieu a, parce que si vous pas ka comprendre ça m'a dit on mettre tourner dans livre acte là pour apprendre li pour li vraiment pour peuple bon Dieu a, qui peuple li comment le vivre est-ce que le peut vivre à la manière du monde ou à la manière des chrétiens primitifs parce que dis mon pas le construire. Par exemple, un tabernacle. Par exemple, cela, un tabernacle. On parle de 50 millions de personnes en don, en camp de concentration. Ce qu'on va arriver pas quand même compte fidèle. Et sans doute, l'on va aller à la 700, on va aller à 50 000 petits coupes. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi les apôtres ont réuni dans la maison? Pourquoi? Pourquoi Paul rencontre avec Lydie, Lydie qu'elle est baptisée? Parce que Lydie c'est dans la 7e joualté. Paul va l'évangile qu'elle est baptisée. Quand Lydie en église de maison. Hein? Une église de maison chez Lydie. Alors vous pensez, alors surtout, c'est pas rien, non? C'est la cupidité qui pousse Mounio à gagner attention tabernacle. Parce que quand on dit tabernacle, on voit que la somme est augmentée. On aura plus d'argent parce qu'on a un tabernacle. Dans la maison, combien de gens pour aller dans la maison pour faire l'argent? Pas beaucoup, hein? Bon Dieu béni vous, ça pour ça évangélique. Oui, bon Dieu béni vous encore. Bon Dieu béni vous. Et, je fais connaître l'apôtre Paul prêcher l'évangile de toi à la même, monde dans la conversion. Apôtre Pierre. Mais, 3000 personnes, ça y est, on a un pour exemple. Est-ce que vous avez un savant ou soit vous avez un côté pour vous réunir, pour vous rebondir? Et vous savez que quand vous avez une série de monde comprendre et même qui parlé, on ne peut pas entrer trop dans la fête bon Dieu. Parce que le Jésus-Christ est venu, il veut tout bagaille ça. Il dit que je ne peux pas accomplir ces bagailles, je ne peux pas entrer dans ces bagailles pour l'abolir. Et Jésus-Christ va y avoir un match qui suit. Il dit que les gens qui croient en moi suivent moi pour gagner la vie éternelle. Les gens qui ne croient pas en moi pour gagner la mort éternelle. Ça veut dire, ma bonne bien, autant que nous avons ce matin couvrir l'église à prêcher la parole, bon Dieu. Ça ne veut pas dire, non, tout le monde avec l'église, quel que soit l'église, a fait miracle ou fait miracle, et tout le monde là-dedans qui est chrétien. Parce que, ma Dieu, même le temps, l'autre côté Jésus-Christ a mangé avec messieurs, c'est que des hypocrites. Ah ben dans l'église là où bon Dieu qui a servi le monde, qui a servi là. Ah ben des monde qui parle l'évangile, des monde qui viennent garder tout, mais des monde qui viennent servir bon Dieu. On s'en va dans ma vie. Bon Dieu pas ta cagon peuple. Et puis tout peuple là, le monde habite dans une belle maison. Et puis tout les pour comme si on l'église gain 100 monde, 200 monde. Ah ben pour dire pour réunir nos petites chambres. Mais comment on va réunir nos petites chambres? Pourquoi dans ton longtemps tu as un grand tabernacle qui a été construit? Ah ben, pourquoi Jésus t'a là-dedans? Pourquoi Jésus t'a là-dedans? Jésus t'a doit être dans sa vente. Non, c'est là Jésus-Christ qui a annoncé des nègres, les hommes de la loi qui s'agit. Ah ben, Jésus-Christ est venu verser, monsieur, malgré monsieur connaît, vous te connaît plus.
Ah, mais même j'ai aujourd'hui, il y a dans tout le monde, parfois j'en ai parlé à la télévision, le monde n'a pas converti, il a connu tout le monde qui est dans le business. Quel que soit, ça qu'a parlé sur la télévision, mais le monde qui est pour bon Dieu, il a toujours pour bon Dieu. Mon seul avocat, mon seul juge, mon seul roi de vérité en lui-même, il est le Jésus de Nazareth, parce que c'est lui qui verse sang sur les bras du calvaire. Mon seul bagage, il fait partie, mon précieux des années, on connaît vous des années. Là, on prêche l'évangile et sous télé, bat pour mener moun, plus. Parce que je connais, oui, Jésus-Christ connaît au moment première fois là. L'elle venu, elle te ravissé. Il connaît les bonnes pharisiens. Même ce monsieur-là, baïté, il dit est-ce que nous connaissons, c'est mon affaire, parce que nous te baïté. Mais, même côté le dia, il y a des gens qui te pour lui. Ça ne veut pas dire, ou même les prêché, qu'on l'a moun qui vivent là. On essaie de voir les gens qui vivent dans la rue, les gens qui vivent dans ces circonstances. Ils vivent encore plus loin, ils disent, il faut l'église tabaye tout le monde, manger, ceci, des gens et de là. Jésus-Christ, si les oiseaux ne sont pas plantés, ils ne manger. Allez voir pour nous-mêmes. Si on a souffert sous terre, ça cause péché nous. Mais avant, bon Dieu, tu ne vas nous manger, nous ne pouvons pas nous dire pour lui. Ou si on monde quel que soit, ou en Haïti, ou ce matin, pas parler l'évangile mal. Dis l'Éternel, fais affaire. Parce que moi, avant, parler sur la télévision, parce qu'à craser l'évangile Christ. Là. Christ dit Jésus, Christ dit Jésus, le chemin. Et les gens qui parlent de quoi, pourquoi tout le monde a un problème? C'est que tu ferais tête marée ou elle. Qui sait tête marée ou elle? Ah, mais parce que dans Jésus, il y a puissance. Je ne pas dire encore. Attention. Pas de magouille. Mais pas de magouille. Jésus, Christ dit, quitte magouille là. Peut-être à travers un message, à travers. Pardon, la fait ma gouille, elle a changé. Quand pile ou gang baiser vient converti, quand pile maçon là qui vient converti. Mais si moi-même, je campe sur une chaîne télévision là, m'a dénoncé tout pasteur pas même. J'ai des hommes de Dieu, j'ai des leaders de Dieu. Comment font bon titre? Alors, je quitte là, moi, pour me faire un peu éclaircir. Et comme j'ai des gens qui ont parlé, leader bon Dieu n'a pas de chambre dans ma gouille. Même si tu es basé 50 000 dollars, tu es le pour bon Dieu. Gomba Gaye, je veux répondre là. Ou dit leader, bon Dieu, pas jamais dans ma gouille. Non. Ou dit sac dans ma gouille, ou pas leader, bon Dieu. A toujours gagné ma gouille. Non, 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 attends. Sac dans ma gouille, sac dans ma gouille, pas leader, bon Dieu. Ok, on a prêté là. Ok. Sac pas leader, bon Dieu. Sac pas leader, bon Dieu, pas dans ma gouille. Pas dans ma gouille. Et ça, on dit, pas vrai? En conclusion. Puisque sac nan magouya li pa li de bon Dieu mais si moun ki devant yo, so pense de moun ki devant li yo. Moun ki devant yo? Mhm. Adam Magdo. Moun bon Dieu yo Kote ma bon question hein? Non, réponds moi. Non, moun ki de gade. Puisque son magouya li, est-ce que moun ki devant yo c'est moun bon Dieu ou bien magouya pareil li yo? Tout pa magouya. Bon Dieu bien, tout ça pile avant pas. Écoutez mon Dieu, écoutez. Tout pa ka magouya, écoutez donc. L'Éternel dit sali à personne, écoutez, sali à personnel. Ou carabou, on l'a l'église, parce que après l'enfer, servite cap, servi bon diable après l'enfer. Alors, Jésus-Christ parle, Matthieu 14, 15. Écoutez, Matthieu 14, 15, écrit pour Gabriel. Non, nous sommes, je connais pas, dis-moi, Matthieu. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Écoutez. Si un aveugle conduit un aveugle, tous deux tomberont dans une fosse. Écoutez. Moun qui clair les yeux, moun n'a pas élevé l'homme. Si c'est passé à prédicateur avec l'idée qui t'a clérisé l'homme, tout l'homme t'est mouru. Prédicateur, avocat, il est Jésus de Nazareth. Et depuis Jésus, vous l'avez sauvé, on n'y est pas qu'à perdre. Parce que l'Éternel dit, c'est sans vous. Écoutez, bagaille. Pour qui sont pensés Jésus-Christ? Écoutez. Attends. Pour qui sont pensés Jésus-Christ choisit les 12, les placer dans la tête de l'église là? Pour l'ouvrir. Pour ma parole. Eh, mon frère, écoutez bien. M'dou, pour qui ça, Jésus-Christ choisit 12, li place yo dans la tête de l'église. On pas qu'à dire que Judas est dans la tête de l'église, quand même. Ma parole, les 12, même 13, dernier qui vient, à savoir apôtre Paul. Pourquoi Jésus-Christ place yo dans la tête de l'église? Pour l'ouvrir yo, pour le conduire yo, pour le faire au compte chemin? Ou bien pour les garer. Bon, pardon ça, apôtre Paul, apôtre Pierre. C'est là, par exemple, ma moto, pour moto qui est le chemin, qui a écrit la Bible, c'est les hommes de la loi. Et à peine nous avons eu plus loin, oui.
Mais même apôtre Paul, il te dit Jésus-Christ que tu mourras ma pavère. Tout ça passe ma pavère. Non, on fait ouais, c'est non, pas. Non, non, pardon, prends Jésus-Christ.